Tout d'abord, j'étais très très content de jouer face à lui parce que lui, c'est son métier. Et moi, je suis. Quand on n'a rien à faire avant l'entraînement, on vient, on joue. Et dans le vestiaire, je suis parmi les meilleurs. Et j'étais très content de jouer face à Alexandre. C'est un très bon joueur. Et malgré la défaite, j'espère qu'il va continuer à défendre les couleurs du club, comme il sait bien le faire. Ici, je joue face à Sek, Dylan, Bolingui, Mbokani. On fait des matchs et des petites compétitions entre nous. Ciao! C'est de parler avec ma famille. Après la famille, je joue au foot. Quand je joue au foot, je suis heureux. Après, il y a mes amis à côté, Nando, avec qui nous sommes presque tout le temps ensemble. C'est comme un, je peux dire c'est comme un frère, parce que parfois il vient à la maison, il vient, on joue et on sort ensemble, on blague. Je peux dire la famille, football et mes amis. Physiquement. Physiquement parce que le coach il essaie de faire ça après les séances. Ouais, je crois que s'il doit m'améliorer dans quelque chose, c'est physiquement. Pour moi, je vais décrire une équipe Anvers comme une équipe familiale d'abord. Parce que quand je suis arrivé, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont bien truc. C'est une équipe que moi j'aime bien parce que au vestiaire, tout le monde blague. Tout le monde blague quand il faut blaguer. Quand il faut mettre du sérieux, tout le monde met du sérieux. Ils sont trop sympas au stade. C'est une équipe que j'aime bien. Il m'a dit que je ressemblais à un joueur qu'il a eu à l'Olympiakos et qui est Yaya Touré. Et moi, ça. Yaya Touré, ouais, c'est un bon joueur, mais je ne préfère pas être Yaya Touré. C'est vrai qu'il dit peut-être que j'ai ses qualités, mais Yaya Touré, c'est un bon joueur que je respecte. Mais moi c'est l'âme qu'elle a et je veux juste rester dans l'âme qu'elle a, c'est tout. Okay. Bien joué, félicitations. Okay. Au revoir et bonne continuation. Merci.